Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. On va pas vous le cacher, nous ne sommes pas mercredi, nous sommes vendredi, hein, voilà. Et en fait, on a bien joué au Not So Berry mercredi. Le problème, c'est que le jeu à la fin a planté. Donc j'ai l'enregistrement, mais j'ai pas l'avancée de mes des deux de Lascar là. Putain, mais c'est bon là les notifs! Parce que ben ça a planté et ça m'a tout coupé la chic. Donc on a eu la naissance et compagnie, hein, mais voilà, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de, y a pas d'enfant. Ils allaient devenir bambins, mais le jeu il a dit va te faire foutre! Voilà! Donc du coup, bah, on recommence. Et puis on verra bien ce qui se passe quoi. En espérant qu'il se passe pas autant de merde parce que c'était quand même pas très agréable. Et toi, tu vas travailler dur, mon coco. Oh là là, ouais, Coucou d'ailleurs, faut que je... YouTube, coucou maman. Coucou maman. Faudrait que je vire la soirée Netflix là le dimanche parce que c'était la génération de nuages, donc rien à voir. Et je vais le faire maintenant. Jour férié sur les Netflix, ça dégage. Final baston, ça dégage. Parce qu'effectivement, caca. Ok, ça dégage aussi. Baston, ça dégage. Bah ouais, écoutez, ça a l'air pas mal, hein. On avait mis qu'une seule soirée Netflix dans l'année. Bon, elle a déjà gagné ces trucs-là. Alors tu vas bouffer, cocotte, Emmanuela. Je suis désolée, ma cocotte, va falloir que tu repasses par la même étape de grossesse et d'accouchement. Hein. Salut Lika, comment tu vas? Salut Ricardo, comment vas-tu? Et salut Lise, comment vas-tu? Et salut Evernight! Bah dis donc, tout le monde arrive en même temps. Bon, on a un petit... Pff, encore les mêmes problèmes d'appartement, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Va faire ta salade! Oh là là, c'est difficile, hein, de prendre un coup de talon, hein. Oh là là! Qu'est-ce qu'il a... Il est vachement rapide, la vitesse 2, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris du speed? C'est pas bien d'être... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas confirmé la grossesse encore. J'allais dire quand on est enceinte, mais... Elle l'a pas confirmé. Zut alors! Du coup, rejumeaux, c'est exactement ça. Et ben, on va devoir se retaper les jumelles. Donc, bon. Regrossesse, renaissance, recri. Ça va être cool. Je te surveille, Tyrion. Ouais. C'est pas pour toi, ça. Bon, bah, sans aucune surprise, hein, on savait qu'elle était en cloque. Et tu me reprends ta salade? Oui, cafard, oui. J'ai fait une grosse sieste, je viens de me réveiller. Ah bah tant mieux, si t'es bien réveillé et surtout que si t'as bien dormi quoi. Oh mince, je suis désolée, Missioukou, comment tu vas? Oh non, vous avez bien raison de réclamer vos bonjours, hein, n'empêche. Vous êtes venu pour ça, pour mousser. Tout le monde le sait. Vous aussi sur YouTube, hein, n'hésitez pas à mettre des coms, hein, je vous dirai exprès bonjour. Hein. Non, c'est pas Marshmallow, non, 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 c'est pas ça. Arrête, c'est du spoil! Du coup, tu vas faire comment pour caler des jumelles? Ben, on a fait comme mercredi, c'est-à-dire que, bon, voilà, ben YouTube, il sait pas, mais. J'ai regardé avec le MCC, en fait, et en fonction de ce qu'il y avait, j'ai fait voter les abonnés. Pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Quel était le mix à l'intérieur du bide. Rien du tout, oui. Rien du tout! Moi, je garde les mêmes prénoms, hein. Rien n'affiche, hein. C'est votre problème après. Tyrion, tu vas dégager de là, s'il te plaît. Phil, t'es trop près de la patte de ton frère, ça m'énerve. Excusez-moi, les joies d'avoir des enfants. Je vais mettre la patte vers moi, ça te fera les pieds. Sans bouger de ma chaise. Ça, si c'est pas de la dextérité, je ne sais pas ce que c'est. J'ai petit plaid parce que, hein, madame a le Covid. Donc, enfin, je sais pas. On verra bien. On a offert des subs pour rien, on verra. Oui, c'est vrai! C'est vrai les subs. Tu crois quoi? C'est fait exprès, voyons. Parce que vous allez recommencer ce soir. Non, c'est pas vrai. Mais quoi? Il y en a, ils poussent au sub sans aucune vergogne. Pourquoi je le ferais pas moi? Hein? Merde alors. Le complot des subs. Qu'est-ce qu'il y a, Siadana? Appelle le proprio, elle vient, sinon elle viendra pas si c'est lui. Ah mais il est rentré! J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe.
C'est bon, ils sont partis. Ah oui, bah tu pues, t'as la gerbe, tu m'étonnes. Allez, viens ici. Parce que t'as Copper, qu'il faudra qu'il... Va là, ta femme, il faut qu'elle se... Voilà, elle pue. Elle pue des aisselles, là. Et pas que. Tout ça pour pas montrer qu'on te donne de la thune. Je ne te savais pas si vénal, va voir que ça financera le... Mais oui, alors en fait, j'ai regardé. Hein. Je vais me laver à tout de suite. Pas de soucis, Marie. J'ai regardé, donc effectivement, on m'a proposé de faire une cagnotte. Alors j'ai trouvé, en fait, je peux faire une barre de dons. Et je pense que je vais faire ça, pour éviter que les gens se plaignent sans arrêt de ma qualité de son. Alors c'est pas vrai, ils se plaignent pas sans arrêt, mais disons qu'il y a eu déjà des plaintes. Hein, donc, et moi, en fait, j'ai aussi envie d'évoluer et j'ai un peu regardé. Bon, celui que je veux, il n'est plus dispo sur Amazon. Mais il y a des semblants qui apparemment sont plutôt pas mal. Et tout compris et tout ça. Donc en fait, je sais pas si je prends le. Parce que si. Après, j'ai trouvé le micro tout seul sur un autre site, mais il n'y a pas le bras. Parce que moi, je veux pas un micro à même le bureau. Parce que si quand je tape, ça va être juste insupportable pour vous. Pour les bruits de touche, c'est juste. Je peux pas, moi, je supporte pas. Donc, faudra un bras. Et j'ai trouvé aussi une lumière. Ring light qui pourrait faire l'affaire aussi. Qui en plus se clip. Donc comme j'ai une étagère juste au-dessus du bureau, là, juste au-dessus, je pourrais la fixer là-dessus pour que ça éclaire ma gueule. Donc on va essayer. Hein. Après, c'est pas grave, si vous mettez pas d'argent, il n'y a aucun problème. Tu devrais mettre un compteur de sub. Ouais, mais j'aime pas. C'est un peu poussé au sub, tu vois. J'aime pas ça. Tu me diras, une cagnotte, c'est pas mieux, hein, mais j'en ai conscience, hein, mais je suis pas fan, en fait. Mais je vous montrerai les articles du coup. Alors du coup, désolé YouTube, hein, ce sera sur Twitch. Hein, je vais pas vous les montrer. Ça va faire bizarre. Ainsi, plus de timbre à phare. Bah écoute, je suis pas sûre. Hein, parce que je suis quand même blanche comme un cul. Et ça se voit beaucoup. Là pourtant, l'appartement, il est orange. Donc je devrais être un peu plus bronzée. Et je suis toujours aussi blanche. C'est affreux. Eh, mais je me suis vue sur la rediff de hier. Là, avec la neige. Mais je n'existe plus. Je n'ai plus de tête. Avec la neige, c'est juste horrible. Salut Alexa, comment tu vas? Bah re Alexa. T'as fait ton pain? Ah oui, c'est vrai qu'il... mais il fait que de la merde, lui. Eh, bouffe ton pain. Alors, sinon... Parce qu'il faut... Lui, il faut pas que j'oublie. Hein. Il faut qu'on se retape toute la truc programmation. On avait bien avancé, mais il va falloir qu'on refasse. Hein. Tu vas t'entraîner à programmer. Et puis, c'est pas encore, mais on va lui dire qu'il est papa, qu'il va être papa, parce que... Après, t'iras dormir. Pas de soucis. Voilà, va faire ta programmation, qu'on aille au niveau 2. Ce sera bien. De toute façon, si tu ne fais pas, c'est moi qui l'a fait la cagnotte. Oh, je pense pas, non. Sinon, tu vas les récupérer pour toi, les sous. C'est un bon plan, n'empêche, pour s'enrichir. Genre, ouais, tu fais une cagnotte pour quelqu'un, et en fait, comme tu fais une surprise, c'est à ton nom, tu vois. Mais il y a un mec qui avait fait ça, qui avait arnaqué des gens. Il avait dit, ouais, c'est pour un live charité, je sais pas quoi. Donc les gens, ils ont donné plein de thunes. Et en fait, comme c'était... En fait, il a gardé tout pour lui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Et qu'en plus, comme c'était en son nom, et il avait... C'était pas affilié directement comme le The Event, où quand vous voyez les dons, en fait, ça va directement chez l'association, en fait. Ça passe pas du tout dans les poches de Zerator ou des streamers. C'est vraiment... la cagnotte ne transite pas. Elle va directement au bon endroit. Ben, le mec, vu qu'il avait juste fait de... C'est comme si demain, je dis, allez, je fais un live caritatif pour la SPA. Parce que moi, les animaux, je préfère les animaux. On va dire, voilà. Et ben, vous donnez, vous êtes généreux. Et que je me dis, ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est une petite semaine de vacances. Hein. Ben, finalement, je leur dis, ouais, c'est bon, j'ai donné à l'SPA. Mais en fait, ben non. Enfin, voilà, il y a un mec qui a fait ça. Il a gardé les sous plutôt que le donner à l'association et il s'est fait griller, quoi. Ça, ça craint. Ah bah tu vois, Martial, l'association SPA, mais j'aimerais bien, bon. Je suis pas quelqu'un non plus de très connu, tu vois. Donc, je suis blanche que toi, les cernes en plus. Eh, mais j'ai acheté de l'anti-cerne, je suis allée à Auchan, hein. Je suis allée faire des courses, hein.
anti-cernes plus fond de teint. J'étais paumée. Je n'achète pas du tout mes cosmétiques en supermarché. Ça fait longtemps que j'en achète plus. Je les achète à Kiko, normalement. Et tout ce qui est soins, normalement, j'achète ça soit Naturalia, soit Aromazone. Donc, vraiment, les trucs, moi, en supermarché, j'étais larguée. Et je comprenais. Je dis, mais je sais pas, moi, qu'est-ce que je prends? J'ai pris au pif. Je dis, putain, on verra bien. Moi, c'est ça, parce que sinon, ça craint, quoi. Ça craint. Ils sont idiotes les gens. Bah écoute. Non mais tu peux pas savoir. Quand un streamer, tu sais pas s'il est affilié directement et tout. Un esprit saint dans un corps saint, super. Tu sais pas s'il est vraiment affilié ou pas et tu donnes de l'argent de bon. Parce que tu dis il est honnête et tu sais pas ce qu'il fait derrière. Ah oui, c'est vrai, t'avais donné pour un live SPA et t'as été remboursé. Ouais, c'est vrai, je me souviens, Martial. On dira pas qui. Hein. Mais ouais, c'est dégueu de faire ça. Il y a vraiment des cons. Oui, mais il s'est fait choper et en fait, il a quand même donné de l'argent vraiment à l'association en fait, parce qu'en fait, il avait tout dépensé la thune dans du matos pour lui son des PC, micro, machin, tout le bordel quoi. J'étais là. Ah, ça avait fait du bruit. J'étais là, bon, très bien. Les gens sont complètement honnêtes, tout va bien. Alors, biche, tu vas me faire un pipi, tu vas manger. Pour l'instant, elle a juste des nausées. Manger pour deux. Attends, fais voir quand? Deuxième trimestre dans 12 heures. Faudra que je fasse attention cette fois-ci. 12 heures. Ça fait 2 heures du mat. Donc. On va pas avoir le temps de faire grand-chose. Oui, va manger! Non! Il y a du pain! Cornio! Il y a des bagels, il y a plein de trucs là que t'as fait. L'esprit de la viande est en train de disparaître, Bûchette! Regardez le couple heureux qui mange chacun de leur côté pour pas se parler. Ah, tu vas quand même lui dire qu'il va être papa. Hein? Ça pourrait être sympa. Et on va travailler la malice parce que je l'ai pas assez. Enfin, oui, faut que je le fasse quoi. Demandez c'est pour quand? Ouais, elle a l'air ravie, hein. Ouais, il est content. Pourquoi elle a encore contrôle des émotions? Elle est adulte? Pourquoi elle a ça? On n'est pas tombé sur une ado quand même, ce serait dommage. Bon, sinon, on peut pas l'engrosser, tu me diras. Non, mais le youtubeur qui a fait ça est idiot. Les gens, eux, ils s'y sont pour rien. Ah oui, non, mais en fait, il a vu la somme et il a été trop tenté, quoi. Ça peut se comprendre, mais bon, dans ce cas-là, si tu t'engages. Enfin. Vaut mieux pas que ça transite dans tes mains si tu sais que tu peux être tenté ou tu vois, je sais pas. Enfin, même si tu pouvais pas savoir qu'il allait te tenter, je sais pas. Enfin, je le défends pas, hein, mais. Voilà quoi. C'est quand même, hein. Décrire l'apocalypse. Vas-y, vas-y, parle-lui, fais-lui des malices, après tu vas lui péter dessus un petit coup, histoire de marquer ton territoire. Parler de quoi? De stream caritatif et des dons et que je disais qu'il y a un mec en fait, bah, il a gardé la cagnotte pour lui, il avait voulu faire un truc caritatif, sauf qu'il a gardé les sous pour lui. Et il l'a jamais donné à l'association, sauf qu'il s'est fait épingler. Salut Elisa, comment tu vas? Tu as déjà regardé de ce qu'elle avait dans le bide? Non. Enfin pas aujourd'hui. Mais je pense que c'est le même résultat que mercredi, mais. Voulez qu'on regarde maintenant? Attendez. Il va lui faire un peu de malice. Il va mentir sur la carrière alors que ben ça sert à rien, son collègue. Tu vas imiter des sirènes. Faut qu'il fasse la malice là, sinon je vais jamais y arriver. Parce que une fois que les bébés seront là, ça va être l'enfer. Hein. Je vais faire des grimaces. On y go? Attention, elle a quoi dans le bidou? Elle a quoi dans le bidou? C'est quoi quoi? C'est encore un garçon, tatin. Est-ce que je vous refais un sondage? Si on fait quoi? Tu vas remettre les subs en échange des deux filles, c'est ça, exactement, Mel. Oh, merci beaucoup, Evernight. Ah bah voilà, il y en a déjà un qui s'est sub pour dire qu'il voulait à la place deux filles. C'est comme ça qu'on avait fait mercredi. C'était donc vu qu'il faut des jumeaux. J'ai proposé dans le sondage garçon-fille, double garçon ou deux filles. Sauf que si c'était deux filles, les gens devaient donner et se sub pour histoire de me corrompre en fait. Il y a eu des subs offerts, mais j'y peux rien si le jeu a planté moi. D'ailleurs, on va enregistrer.
La meuf qui va enregistrer toutes les 5 minutes. Parce que c'est merveilleux. Pourquoi elle est vénère? Ah ouais. Coco, bah, va te prendre une petite douchette, mon petit. Alors que vous m'aviez dit que c'était d'en discuter. Ah oui, troller le forum, super, il va faire ça après. Ah, et c'est l'heure de la pub. Alexa a demandé une page de pub. Je remercie à tous ceux qui regarderont les pubs. Ça financera mon extrême richesse. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ouais, dis donc, t'as raison, je me suis pas tenue droite, ça y est maintenant. Et j'ai pas remercié proprement Evernight. Gros bisous à toi, Ismail et Boule, merci beaucoup pour le soutien. Un gars, une fille. Je vote pour le mélange et cadeau pour ton nouveau micro. Merci beaucoup, Evernight, c'est gentil. Un gars, une fille, c'était bien. Non, mais oui, bien sûr. Je pense qu'on est bien parti là-dessus. Je trouve ça. En plus, on aura le choix, quoi. On verra à qui il ressemble à mieux. Et puis après, ben, pour l'élection, on a le temps. Hein. Par contre, ils écoutent toujours du métal chez les voisins. Oui, Lisa, t'as dépensé beaucoup tes sous pour me tenir droite, mais au moins je me tiens droite et je serre le ventre. Tiens, fais le ménage, femelle. Tu sers à quoi sinon? Sinon, dès que t'accouches, on te tue. Les copeurs commencent à. Oh bah elle va aller taffer. Ouais, gagne ta croûte! Ramène-nous de la thune! C'est quoi les raids? Eh ben c'est quand tu finis un live. Bah tu envoies tes viewers ou une partie de tes viewers, ceux qui ont bien envie, parce que tu n'es pas obligé de participer, sur un autre live. Voilà. On te l'a encore dit pour ton micro. Non mais je me dis que c'est pas, ce serait bien quand même, tu vois, ça va faire un an que j'ai le micro casque ici. Moi, il me va très bien au niveau casque, je veux pas changer. C'est juste que ce micro-là, ben, je l'utiliserai plus et si je peux avoir quelque chose un peu plus net et professionnel, effectivement. Pourquoi tu veux la tuer? Visage effrayé? Parce qu'elle ne servira plus à rien, leur a pondu les gosses. Non, je disais pour avoir vraiment un son plus net, parce que même au montage et tout, des fois, je vois bien que ça galère, machin. C'est moins pire que ce que j'avais avant. Même si ma voix était plus nette sur mon ancien micro. En fait, dès que je parlais un peu longtemps, genre je faisais des ça faisait un bruit bizarre parce que ça faisait genre comme si le micro comprenait que ah, ce bruit-là, c'est un bruit de fond, donc je vais le limiter. Donc en fait, c'était jamais net bien. Il y avait toujours des bruits chelous, j'aimais pas. Et t'entendais vraiment tout ce qui se passait autour. Alors que là, t'as une vraie réduction du bruit. Mais du coup, j'ai un peu moins net et c'est moins fort aussi. Donc, comme il y en a qui sont très remontés avec ça, va taffer, je reviens. Ça va 10 minutes. Ouais, c'est bien, t'as augmenté ta malice ou quoi? Pas tellement. Hein. Charisme et pâtisserie, putain pâtisserie. En tout cas, on a bon ici, donc on peut espérer. Attends. Tu vas plaisanter avec les collègues. Tu vas travailler dur. Bon, là, il n'y a rien à faire à part attendre que le temps passe. Ah bah voilà, il est temps d'axe. Je pensais que ça allait l'amuser de faire les forums, mais. Ah bah voilà, Ginette, elle est revenue. Ça va faire le ménage. J'ai besoin de divertissement. Tu me diras lui aussi, hein. Non, tu vas pas regarder la télé, tu vas juste attendre que ton mec rentre et puis vous allez faire un bon petit crac-crac qui va bien. Pour lui remonter le moral. Toi, on s'en fout. Voilà. Mais qui c'est qui va s'occuper d'eux? Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. On va la garder jusqu'à temps qu'ils deviennent enfants, après on les foutra en pension à l'école, tu vois. C'est le sauvé, Shirley. Pas le legacy, t'es pas obligé de tuer si vite. J'avoue, salut nous, ça fait longtemps, comment tu vas? Celle-là, il va rentrer après. Ah, jusqu'à 9h du mat! Oh ouais.
Tu as travaillé sur d'autres projets. Qu'est-ce qu'on va bien faire de toi pendant ce temps-là? Tu sers vraiment à rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de rail à rien. C'est limite décevant. Elle a envie de garder des livres. D'ailleurs, j'avais complètement zappé qu'on pouvait acheter des bouquins. C'est très con, hein, parce que mais j'y pense pas. Par exemple, pour les compétences. Je me dis que ça peut être bien. Acheter des livres. Compétences. Alors, l'archéologie. Oui. Oui. Charisme, volume 1. Composition florale, comédie, cuisine. Cuisine gastronomique. Je fais attention, j'entends des bruits. Je crois que c'est ma voisine. Momo, c'est là ta bouffe, chérie. Hein. C'était peut-être texte, alors. Éducation, escalade. Ah, parce que j'ai eu escalade. Oh, merde, j'ai spoilé Marie. Non, Marie, elle est pas là. Elle est partie. Quoi, chute? Mon chéri m'a dit qu'il a fait à manger pour que je puisse regarder son... Oh, c'est trop mignon! Oh, tu lui feras une petite gâterie après. Hein. Je suis une connasse. Je plaisante. On va trouver autre chose. Logique, malice. On va prendre, je sais pas, deux bouquins. Maîtrise du ski. Ah ouais, aussi? Ah ouais, genre, il y a des bouquins pour le ski, quoi. C'est... D'accord. Écoutez, moi, j'apprends des trucs encore. Hein. Et programmation. Allez, tu vas prendre tout ça. Salut Jean-Pierre, il ira. Il ira. Tout ce qu'il voudra, où tu voudras. On verra s'il est sage. Ah, il te fait à manger quand même. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va changer avant de se faire d'oublier et tout. Donc, grâce au MCC, j'ai fait une vidéo, hein, si vous voulez voir comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo dessus, donc vous n'avez qu'à aller sur mon YouTube. Et puis, ce sera, voilà, vous aurez l'explication de comment ça fonctionne. Et du coup, c'est assez facile pour changer la grossesse. Voilà, nous aurons donc un garçon et une fille. C'est acté, on verra bien. Contente d'être là, bah ça me fait plaisir, moi aussi je suis contente qu'elle est là. Sauvegarder, c'est bon pour la santé, oui. Allez hop, on rend sauvegarde. Ricardo, il va devenir un bot. Il va se régler toutes les 5-10 minutes, il va me dire sauvegarder, c'est bon pour la santé. Mmh. Ah non, mais après le bug de mercredi, j'avoue, je suis dégoûtée. Bon, Jacqueline. T'as la faim. Va manger. Il arrive, ton homme. Il commence à être vraiment claqué aussi. Petite promo? Oh bah non, on est loin. 344. Allez, Jacqueline. Non, mais... Oh yeah! Oh, mais Alexa, c'est pas maintenant la barre de dons! Oh, merci beaucoup pour le don. Ah, j'ai oublié j'ai mis le Game Changer alors que ça a rien à foutre là. Oh, je me l'ai même pas dit. Merci beaucoup, Alexa. Gros bisous à toi, Smiley Boo. Merci beaucoup. Bah, je le mettrai sur la cagnotte du futur micro. Que je vous montrerai peut-être après tout à l'heure. Enfin, même sûr, je vous montrerai ce que j'ai mis de côté, mais que je sais pas du coup si ça vaut le coup ou pas, quoi. Merci beaucoup. T'es adorable. Excusez-moi, j'essaie de comprendre le chat. Pour Edgar, le manoir, tu vas poser un meuble et tu vas save. Exactement! Une fois qu'il sera au bon endroit et à la bonne couleur. Regarde-moi comment il bouffe comme un gros dégueulasse. Bon, il faut que tu fasses de la malice, là. Tu vas faire des grimaces à ta meuf, tiens. Puis après, vous allez... faire crac-crac. Tu vas décrire l'apocalypse. Moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Je suis frustrée. J'ai besoin de niquer. Faut que je fasse ça, je commence à avoir mal à la gorge. C'est grave. Oh, c'est gentil, Alexa. Alors, j'ai commandé McDo. Je rigole. Ils sont pas pour toi, ils sont pour l'assaut. Merde. Mais j'ai pas encore contacté l'assaut, c'est dommage. En vrai, je pourrais. Hein. Je pourrais. Ah là 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 là.
Pourquoi il a le contrôle des émotions encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce bruit? C'est dans la rue qu'il y a les... Enfin, dans la rue. J'entendais des... Tchou, 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 comme s'il y avait les flics. Ouais, c'est moi qui fabule. Infallenis, Seraphie, pardu. J'entends des bruits. Il a tellement heureux cet homme. Ouais. Ah, regarde-le rigoler là. Il est content. Merci Grofino pour ton follow. Tiens Momo, c'est là. Chérie, j'ai changé de place. Parce qu'il redemande à manger. Vous savez, Dex, il demande à manger. Il fait... Ah, c'est bon. Il mange deux, trois fois. Après, il dit, oh, c'est bon, je me casse. Et après, il réclame. Non mais oui, bah je oui. Non mais de toute façon, j'ai pas encore d'association, hein. Vous inquiétez pas. Hein, Tu penses faire d'autres vidéos sur escapades enneigées à l'avenir ou pas? Non, Elisa. Je pense pas. Oh, merde, j'ai pas payé les factures. Oh, plus d'électricité. C'est pas comme si. Ça va, ils sont taqués, hein. Et avec les factures, laisse tomber. C'est où chez nous déjà? C'est le dernier. C'est ça, 607. C'est 806. C'est pas 806, c'est 607. Il a l'air démoniaque parce que il est malveillant. C'est pour ça. Regardez-moi cette tête. Oh mon bichet. Alors mercredi, on s'était rendu compte qu'il avait la même coupe de cheveux que Pulcott. Que du coup, il ressemblait à Pulcott. Oh, oh non. On dirait moi quand je vais bouffer ma brioche demain. Ouais, les enfants, je suis en train de refaire une brioche là. Bah après notre soberry, je ferai le tressage, comme ça vous saurez. Allez, vous allez niquer un coup. Copper, il a besoin de se détendre l'anus, là. Oh, qu'est-ce que je suis vulgaire. T'as reçu de la pub? T'as reçu de la pub? Ah bon, d'accord, très bien. Ah, c'est ton modo, d'accord, ok. Je vais pas... Mais qu'est-ce que tu t'en fous, discute pas avec elle. En plus, elle est en cloque aussi, tiens. On pourrait parler couche plus tard, mais pas maintenant. Ah, oh là là, l'amour fou. Oh, je te prends, je t'échappe et je te retourne dans le couloir. Devant les voisins. C'est juste parce que j'aime bien tes vidéos et autres présentations sont plates. Ouais, mais là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, tu sais, pour préparer celle que j'ai faite, et du coup, là, je regarde en live, en fait. Ce sera mieux. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spéciale, tu vois, mais là, j'ai pas spécialement découverte, non. Je ferai que en live. Bon, vous allez... Ouais, mais bah, allez-y niquer aussi, j'ai dit, hein, depuis tout à l'heure, là. Parle pas à la proprio, hein, on s'en fout, hein. Mais vas-y, s'arrête pas de bugger ce jeu. Voyez, maintenant il a, voilà, à force de s'ennuyer, il attrape des plaques. À cause de la meuf, hein. Pareil. Ils vont niquer pareil que chez les voisins. Relis copains. Allez, donnez-vous-y à cœur joie. Tant que vous avez le temps. D'ailleurs, oui. Bah non, c'est bon. Il faut qu'il dorme, donc en fait, ça sert à rien. Bon, allez, dormez. Enfin, dormez. Les voisins copulent, bah eux aussi, hein. Devant le proprio, c'est ça. Arrose les bébés. J'aurais pas dit ça comme ça, mais oui. Ça va, mon chéri? Oh là là, mon Dieu, il a mangé deux petits trucs, là, et puis il se dit, oh, c'est bon, je reviendrai dans une heure. Pour dire que ce que tu m'as proposé, je ne l'aime plus, maman. Regardez, il est là. Il est tout noir. Il fait gratte-gratte. Ah, Moumou! Ah, il a dû voir Tyrion. C'est ta rainette. Oui? Ah bah oui. Regardez-moi ça. Tyrion, il est là. Et là, c'est le duel de regard. Mais je suis là, moi. Tu pourras pas venir. Les chats. Hein? Moumoun! Regardez,
beau gosse. Mon vieux papy chat. Hein, Mangoun? Oh oui. Ah, écoutez, j'ai un gameplay incroyable, mes lives. Hein. Venez, hein, on s'amuse, hein. C'est dingue. Je vais essayer de faire la première soupe de ma vie. Souhaitez-moi bonne chance. C'est intéressant, ça, Marie. Ah, j'y ai pensé, j'ai pas fait... Non, j'ai pas pris de légumes pour la soupe. J'ai un frigo, il y a plein de trucs. J'ai acheté du pain pour faire des croque-monsieur au four. Parce que j'en ai fait une fois, j'ai tellement kiffé. Parce que j'ai un appareil pour faire les croque-monsieur, mais au four, j'ai trop kiffé. Donc, je vais en refaire. Mais t'as un lit, gourgette ? Gourgette. Ça a mis deux fois ton message. Oui, toi, tu le vois deux fois, parce qu'en fait, on a dû l'approuver, parce que le mot douche n'est pas accepté sur... Non, on n'a pas le temps, on dort. Si tu veux, parce qu'en anglais, douche veut dire idiot, abruti, c'est une insulte. Donc en fait, sur le chat, il faut pas dire douche, ni tard et retard, parce qu'ils considèrent ça comme des insultes, comme si tu m'insultais. Des croques au foie? Non, pourquoi? Au foie, non, au jambon. Jambon fromage, béchamel. Pour les curieux qui demandent pas si est-ce soupe au potimarron. Bah moi j'ai un appareil pour faire des soupes, ça marche trop bien. Tu mets tes légumes, tu mets de l'eau. Tu mets cream soup. Allez, emballer c'est peser. Mais c'est bon là, c'est quoi ce harcèlement? Non, dégage. Laissez-nous tranquille, non? On a envie de dormir. Merde à la fin. Merde de chimpanzé. Tu vas bouffer. Ah, commence pas, Copper, là, tu me casses les... J'avais compris au foie ou psy, visage avec des larmes de joie. Des croques, monsieur, au four. Au four, pas au foie. Non, je me demandais pourquoi tu me demandais au foie. Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il va? Mais bordel la cul, viens ici. Mais ça va pas bien, non? Alors, lire. Casser les couilles, non? Tu vas lire la malice. Tu vas me lire la programmation après. Rien à foutre. Oui, je maltraite mes Sims. Oui, quand ils font des conneries, surtout. J'avais oublié qu'on lui avait mis ce jean là. Qui c'est quoi? Je m'en fous, moi, de ça, téléphone. Oh, l'esprit de Dan est en train de disparaître. Papa Dan! Oh, le faiseur de gâteaux. J'ai peur, elle s'y jouit. C'est bon. Non, mais il y a des trucs dans le frigo. Ça, c'est toujours pas réglé. Ça. Ah, ça y est. Voilà, voilà. En mode quoi? Ça a l'air chelou pour les crocs au foie. Non, mais j'avoue, je comprenais pas. Non, Evernight, en tout cas, mercredi... Ben non, parce que, en fait, comme tu vois, c'est comme un studio. Et l'appartement est quand même bizarre et pas bien foutu, donc en fait on avait posé les berceaux ici. Et bon, c'est vrai que c'était un peu l'enfer parce qu'ils pouvaient jamais dormir, les parents. Mais je vois pas où je pourrais caler une chambre. À la limite, je peux, parce qu'en fait, on a vraiment c'est pourri. Enfin, les fenêtres sont mal placées, c'est de la merde, c'est clairement de la merde. Ou alors, non, parce qu'on a ça. Parce que j'allais dire, je décale la cuisine et ici on fait la chambre des gosses, quoi. Enfin, vraiment, y a besoin de quoi? De 4 carreaux, hein. Ça ira largement pour les deux berceaux. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On essaie de faire une chambre ou pas? Ouais, bah, ils écoutent du métal, les voisins. C'est pas les mêmes, c'est ceux-là, cette fois-ci. C'est du bon métal, hein, moi, je veux bien. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tu n'as pas un balcon? Non, j'ai jamais joué dans l'appartement avec balcon. En fait, je sais pas où il est. Et du coup, j'ai jamais joué dans un appartement avec les balcons dans les Sims. C'est triste, hein, quand même. Enlever la table qui fait un carré. La table là. Mais ouais, ouais, mais grave, avec les odeurs de merde, là, avec ça. Je pourrais, hein. Elle est un peu mal... Ah, ça y est, ça pue ici aussi. C'est le cadavre, parce qu'il y a un cadavre en dessous, les enfants.
Cadavre, il pue. Je pourrais faire le trou ici aussi. Mais bon, ça empiéterait sur le salon, quoi. Pour l'instant, ils sont cool, hein, ils sont bien, ils ont pas besoin de grand-chose. Hein, Cet appartement va bien pour deux. Faut juste attendre que Copper soit adulte et on déménage. Mais... Moi, je t'ai dit de travailler tes trucs, hein, il me semble. Tu vas lire la programmation. Oh là là, ouais, t'es pas content. Cacophonie, s'ennuie un peu en lisant un livre avec un faible niveau de compétence. Bah écoute, j'ai fait ce que je pouvais, moi. J'ai oublié le tapis qui bouge. Tu bouges un tapis, t'as forcément le Sims pas loin qui déconne. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Eh, ça va pas, Copper, hein. Tu vas finir en brochet sur un piquet, moi je te le dis, hein. C'est bon, tu gagnes en compétences ou quoi, là, Jacquemin, là? Ouais. Salut, Lovo Sims, comment tu vas? Sinon, on ferme le lit dans une pièce et les gosses dans le salon. J'avoue. Ouais, mais pff, tu vois, c'est tout petit, c'est moche. Ils sont mal gaulés, ces trucs-là. Bon, toi, tu fais la vaisselle. Rends-toi utile. Ouais, elle est en congé, en plus. Tu l'as aussi, hein? Ouais, ouais. Comment on fait? À chaque fois, je sais jamais. Putain, mais en fait, on peut pas cliquer sur ce truc. Je sais pas. Bon, bah, ça pue. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, bah, fais des étoiles. Tu aurais mis deux berceaux dehors. Ah ouais, non, mais bien sûr, j'ai compris tout de suite. Mais j'avoue, non, on n'a pas de balan, pas de balcon. C'est bien dommage. <C'est>... Non, j'allais dire salut, Sissi, mais non, t'étais déjà là tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Du hip-hop. Momo, t'as fini de manger? Vous allez même pas le voir, regardez. Ah si, il y a sa petite bouille. Momo. Mince, j'ai oublié de faire travailler dur. Allez, je suis plus con. Scopper, ramène-nous une promotion, là. Nous ferait une petite... comment ça s'appelle? Ah bah là, la fibre artistique, Emmanuel. Allez, refait. Petite promotion, ce serait pas de refus, Jean-Claude. Une petite opportunité non plus, ce serait cool, les Sims. Ouais, elle va nous gerber dessus. Souvenez-vous, hein, ce qui s'est passé quand elle devait accoucher, hein. Incroyable œuvre d'art. 137 Simflouz. Hein. Je suis sûre que moi je dessine ça, personne me l'achète 137 euros. Hein. Cucu Shirley et le chat, je sors de l'ombre pour te dire que la part avec balcon travaux nécessaire, il se trouve au quartier des épices, il y a 6 appartements du piment, je crois tu le sauras pour une prochaine fois, je retourne dans l'ombre, le gameplay, escapade en neige et m'attend. Grand sourire. Grand sourire, merci beaucoup Rinou, c'est gentil. Ah, c'est au truc des épices, du piment, d'accord. En plus, avec travaux nécessaires, on aurait pu le prendre. Parce que on avait besoin de travaux nécessaires pour la génération orange. Ça s'est joué de peu. Bah, c'était l'autre alors, parce que j'en avais trouvé deux. Bah, non. Attends. Parce que celui de Lila, il avait travaux nécessaires et j'en avais trouvé que deux. C'était soit celui-là, soit celui de Lila. Mais Lila, on l'avait déjà pris. Parce que c'était avec Lila. Bah, je suis perdue. Il y en a trois d'appartements avec travaux nécessaires? Et il est plus grand. Tant pis. J'en ai trouvé que deux quand on avait regardé. Tant pis.
Il y a très un essor dans la porte avec balcon. Mais c'est fou comme je le trouve pas, alors je sais pas ce que j'ai foutu. C'est où les épices? C'est pas ici? Je sais même pas. Mais moi je. C'est une horreur, hein. Visiter l'appartement. Oui, non, mais je m'en fous en fait. Je sais même pas où c'est le quartier des épices, quoi, s'il te plaît. Je vais regarder, hein. Faut que je regarde. C'est ça. Du piment. C'est celui-là! Mais oui, mais il y avait déjà de la famille. Il y avait déjà du monde et tout, et ça faisait beaucoup. Notre Sobéry pour Copper. Ouais. C'est celui-là alors, du coup. Parce que là, il y a historique et hanté. Mais je l'ai pas vu. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit pas. Qu'il y a un... Regardez, derrière... normalement, il est là, le balcon, mais on le voit pas. Il est pas mis en avant sur. Oh yeah. Oh, J'ai pas beaucoup de t'es sous, mais considère mes petits sous comme un cadeau d'anniversaire en avance. adorable! Oh, t'es Lave, adorable! lave. T'es adorable, mon soldat! Et merci à Lily Gaming pour l'abonnement YouTube. Merci beaucoup, mon soldat, pour tes petits sous. Mais t'es pas obligé, hein, bichette. Attends, tu rigoles ou quoi? Merci beaucoup. Gros bisous et smiley boule. Tu vires la famille. Ouais, mais c'est trop tard, là, on s'est installé. Ça nous a coûté pas mal des sous de refaire tout l'appart, hein. Sympa la musique. Je me demande si l'appart avec travaux nécessaires plus balcon, celui que Scream avait pris. Mais sûrement, parce qu'il y en a pas beaucoup, tu vois. Cadal d'anniversaire. Alors, pour YouTube, mon anniversaire n'est pas aujourd'hui ni samedi. Quand vous le voyez, c'est le 17 novembre. Voilà, donc c'est mardi qui arrive pour ceux qui regarderont samedi. Voilà, c'est gentil quoi. Jour de ton anniversaire, tu streameras à quelle heure? Je ne sais pas encore, je pense dans l'après-midi. Parce que sinon, comme j'ai cours, je vais rentrer à 22. Je vais voir. Notre sobriété pour Copper, c'est la famille que j'ai. Oui, je sais, je sais, je sais, le Wo Sims. Je sais bien qu'elle venait de là. Eh, j'ai Jacqueline, va manger. Non, mais j'en ai marre que vous fassiez à bouffer alors que. Il y a des trucs, déjà. Tu travailles J'accélère, moi c'est Copper, mon héritier, c'est pas elle. Hein. Bon, je doute qu'on ait une opportunité. Hein. Non, non, mais ils vont aller bosser, hein, on a besoin d'argent. Bon, Jacqueline, tu fais le ménage. Et ce truc-là, on peut toujours rien faire. Ouais, Copper, 344, c'est un gros pipi. Allez, va faire ton pipi, mon petit. Ah, tu vas jouer vite fait à Blick Block. Ah, une petite souris de sortie. Et discuter, troller les forums. Qu'est-ce qu'elle a? Émotionnellement consciente. Est émotionnellement consciente. Parvenir au contrôle des émotions est un voyage. Vous avez franchi la première étape, mais accéder au contrôle total des émotions nécessite plus de moments lents passés à faire diverses activités méditatives. C'est bon, c'est réglé? Ah, donc si tu veux. Moi je m'occupe de Cop Cop. Et salut Céline, comment tu vas? Mardi 17 ton annif. Le même jour que mon entretien d'embauche. Ah bah! Bon courage à toi. Au moins t'as un entretien, c'est déjà bien. Quoi, téléphone? J'ai fait un don sur comment on fait des dons sinon. Oui, j'ai vu que t'avais fait un don récurrent. Merci beaucoup d'ailleurs, Linois. C'est pas. Moi, alors, arrête de jouer. C'est bon, tu t'es assez remonté là. Sois un peu vil avec les autres. Sois un peu vil. Ah, ça va bien, Céline, ça va bien. Je pense que je vais me choper un rhume, mais c'est pour ça que j'ai le plaid. Cela, ça commence à bien prendre dans la gorge. Saleté. Pas toi, hein, bien sûr, évidemment. Oh, 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 oh. Tu te calmes. Va bouffer et va te coucher. Ça suffit, hein.
Bon, toi, tu me saoules à faire, tu fais que de la merde. On va pisser après. Les souris sont de retour. Pas grave. Elle va s'en occuper. C'est bon? Elle va te doucher parce que tu pues. Apparemment, mettre une tapette, qu'est-ce qu'il y a? Pense à un membre de ta famille. Il va te coucher, t'as pas. Oh! Après, tu vas avoir des gosses, hein. Tu crois que tu pourras dormir? Non. Alors, profite. Mais! C'est à cause de ça. Je te jure. On a fait le coup la dernière fois aussi. Oh, madame! Ah mince, je vais me dire, on va pouvoir voir si c'est une vraie rousse. Mais non, on n'a pas le temps. Tant pis. Sauvegarde. Tout à fait. Même si j'ai pas avancé beaucoup. Comment ça se fait qu'on fait le no aujourd'hui? Le no de Sobelé, parce que mercredi, c'est le jeu a planté. Tout simplement. Donc, j'ai pas le. Sur mon jeu, j'avais pas avancé. Donc, il faut. Il faut refaire parce que, ben, sinon. Sinon, on n'avance pas. Ah! Ça y est, il peut se. Mais non, oh! Autonne, elle a des lunettes. Ok, passe, cocotte. Je me souviens pas qu'on lui avait foutu des lunettes. Ah, ce pif avec les trucs verts, là. C'est que de toute beauté, cette miniature de... Oh, c'est immonde. Bon, Jacqueline, lève-toi, y a ta belle-sœur. Lève-toi, les enfants ont grandi. Ça va mettre dans la tête de certaines personnes. Eh, t'as pas vendu ton œuvre. Salut, moi je suis la copine de ton frère, on s'est jamais vu, t'as vu, je suis à moitié à poil et je suis déjà engrossée, c'est incroyable. Tu vas aller bouffer, cop? Tu vas pas cuisiner. Allez, réveille-toi. Ta soeur qui est là. Ouvrir et manger. On dirait qu'elle veut pas parler à sa belle-sœur. Regarde, viens voir, je suis Jean-Cloc. Je suis Jean-Cloc. Regarde mon gros bidou. T'es jalouse, hein? Tu veux me toucher le bide alors qu'on se connaît depuis 2 minutes? Ouais, bien sûr. Vas-y, hein, mais appuie pas trop, hein. Avec Lila juste derrière. La tristesse. Va pisser, Jacqueline. Merci pour le... Pour Aurore Boréale. J'avoue que j'ai fait un don pour voir les vidéos en avance. Je suis pas patiente. Mais t'as raison. D'ailleurs, je vous mettrai à dispo la vidéo de dimanche. Je pense. Bah, après le live, quoi. Elle est faite. Elle est uploadée. Il faut juste que je fasse les petits trucs. Le titre, miniature, tout ça, quoi. Tout ça, tout ça. J'espère que Iowa aura assez d'argent pour acheter la maison quand j'y pense. Oui, oui, ouais, il vaut mieux. Hein. Mais vu que... Je pense que ça va être long d'ici le temps qu'on finisse. Hein. Mais qu'est-ce que tu... Arrête de parler à tous les roues du quartier, bon sang. Va parler à ta sœur. Fais de la malice, d'ailleurs. Tu vas complimenter la tenue et après tu lui fais de la malice. Parce que faut travailler la malice. Demander c'est pour quand. Elle risque de pas apprécier. L'hôtel rigole derrière. Allez, allez, allez. Ah, ça y est, les voisins, le retour. Parce que non seulement on se tape des travaux de merde. Mais vas-y, mais casse-toi, toi. Fous le camp de là. C'est flamme, mais... Mais j'ai jamais mis ce foyer. J'ai jamais mis ce foyer chez moi. C'est pas possible. Dégage. J'ai... Non. Je sais même pas qui est. Dégage de là. Fous le camp.
Ok, tout va bien. Je sais pas pourquoi. Pourquoi accouche ? On sait déjà ce qu'il y a dedans, on s'en fout ! On a le temps ! Tant qu'ils sont deux, on est tranquille, hein ? Oh là là, vas-y, raconte une histoire drôle. Oh là là. Il est tout seul. Ah, Copper, t'es pas coopératif, hein ? Copper, coopératif. Oh, du vrai repas ! Mais bouffe ! Oh, j'en peux plus, moi. Ah, tu viendras bouffer ça. Oh là là ! Mais hé, c'est pas possible, hein. Ils sont pas foutus de faire une action jusqu'au bout. Toi, tu fais le ménage. Bon, t'es toujours pas marié, Non. Toujours rien. Il y a trop de roues. Tout à fait. Ouais, ils s'y donnent à cœur, je vois les voisins. On entend même les grincements du matelas, dis donc. Chouchoubi. Chouchoubi. Et Quentin, je t'ai pas vu, j'espère que tu vas bien. C'est l'aîné de ma génération orange, je l'ai partagé avec le notre... Ah, peut-être alors ce... Parce que Flamme, c'était pas... Alors je confonds avec Crime, alors je sais plus. Il bouffe comme un sagouin. Il bouffe comme un sagouin. Vas-y, invite ta sœur à une fausse soirée. L'autre, elle va rester en petite tenue toute la journée, quoi. Eh bien, boss, ta criminalité. On est niveau 7, ça va. Ça avance doucement, mais sûrement. Salut Nadine, comment tu vas? On devrait tous être détendus avec la génération orange. J'ai appris que la couleur orange était antidépressive. Ah bon? Regarde-moi ce rire diabolique, il est pire que moi. Bon, Coco, est-ce que tu pourras aller pisser sous la douche? Non, c'est pas encore disponible. C'est dommage. Vas-y, hein, Jacqueline. Hein. Tu feras le ménage après. Alors, c'est pour quand, toi? Ah, ça y est, ça va pas tarder. Je dis ça, mais en vrai, il est 2h du matin. J'avais pas dit 2h du matin. Vous avez remarqué, il est devenu plus vieux qu'elle, d'un coup. Et ouais. C'est vrai que tu bosses pas. Tu sers à rien, meuf. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. La 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 la. Ouais. Bon, écoute, fais ton truc, hein, ça a raison. Si, à plondre, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va bien, Nadine. Tranquille. Elle aime bien la musique, elle, hein. Bon, c'est dans 24 heures, là, je pense. Oh là là, l'enfer. L'enfer! La doublette arrive! Coup de dent si tu veux, hein. Je sais pas si vous entendez bien, mais... La meuf, elle est en cloque, elle en peut plus, mais elle a toujours des petites jambes comme ça. C'est très logique. J'ai joué avec un nouveau pack, j'ai reçu le collecteur des Sims 4 et j'ai fini la collection de Sims 2. Bah c'est bien ça, Quentin. Et salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je peux enfin regarder tes lives sans être spoilé par le pack. Ah! Bah en même temps, il n'y en a eu qu'un de live sur le nouveau pack. C'était hier. Et après, on y retourne là, tout à l'heure. Après notre Soberry, on y retourne. Bah il a pissé sous la douche alors. Il devait pisser, il veut plus pisser. Ah oui, c'est vrai, je lui ai pas fait faire des virus et tout. Oh là là. La marde. J'ai fait de la marde. Niveau super-héros peinture. Oh là là, quelle œuvre d'art incroyable. Attendez, vous me l'achèteriez comment? Oh putain, ça y est, ça commence. Merde, elle accouche.
Merde, merde, merde des enfants, ça y est, c'est le moment. Vous donnerez combien pour cette toile incroyable? Combien de simflouz? Combien d'euros pour l'avoir chez vous? Ah, 0,50, bah non, Quentin, c'est beaucoup plus cher que ça, voyons. Ça, c'est de l'art, tu vois. Contemporain? Un nouveau courant, mais... Okay. Eh ben, dans les Sims, ils l'achètent 196. Ah, mais moi, je dis faut être peintre dans les Sims. J'ai forcément gagné... Waouh! J'ai eu peur, qu'est-ce qui se passe? On a ouvert une carte Pokémon? Bon! On va préparer la chambre des morveux. Je vais vraiment faire un truc à part, comme ça je serai tranquille. Le bureau... Ou alors je le mets là, le bureau. C'est bien. On va mettre ici. Effectivement, on va faire un carré, là, pour les chiens. Ou à l'entrée. Ouais, nous, on est des oufs. Hein. On aime bien... Ouais, ça va me faire sauter mon tapis, là. Et puis, il y a le mort en dessous. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Je vais mettre mon tapis comme ça, peut-être. Bah non. Ça ne passe pas. On voit les jambes. On va mettre le miroir, là. On n'a rien vu. Hein? On voit pas les jambes du mort. Voilà. Il y a eu un petit bout ici. C'est beaucoup plus rapide, hein? Bizarre cette histoire. Une porte. Ah oui, alors rien à foutre, hein. C'est des bébés. Ils vont faire que hurler de toute façon, donc autant qu'on fasse ce qu'on peut. Si vous voulez, on peut mettre rose, hein. Ce sera bien, bien dégueulasse, de toute façon. Orange et rose, c'est la pire combo qu'ils pouvaient faire. Hein. Voilà. Franchement, hop, on va faire ça. Si vous avez du parquet rose. Je suis sûre qu'il y aura du parquet rose. Je sais pas, je regarde. Couleur. Rose. Ah oui, incroyable. Incroyable. Magique. Superbe. Ce papier peint de toute... Enfin, ce sol de toute beauté. Alors, et on va mettre du papier bien, bien dégueulasse. Rose. Ça nous fera des enfants bien... frappés dans le ciboulot, hein. Et on va chercher... le matos. Pour qu'elle mette bas. Bon, par contre, ce sera pas rose, hein. Ça, je ferai le... Ah non. Ah non. Oh oui. Oh oui. Et voilà. Magnifique. Incroyable. On va mettre un pot rose. Deux pots roses. Parce qu'ils vont forcément devenir bambins avant qu'on ait le temps de déménager. Donc ouais, pour les... Là, ils iront dormir et on s'en fout. Par contre, hein, je tiens à vous le dire. Magnifique petite chambre. Voilà. Faut pas vous tromper entre la salle de bain et la chambre à coucher des enfants parce que c'est horrible. Cette verrue rose. Ah, immonde. C'est des jumeaux. Oui, on est obligé d'avoir des jumeaux pour la génération rose. Donc on a triché, clairement. J'ai regardé dans la MCC, il y en avait qu'un. On a doublé la mise. Mais si tu want Nubu, attends. T'attends juste qu'il rentre du taf, quoi. C'est logique, non? Il a même pas de promotion, c'est idiot. Comment tu as fait pour les jumeaux avec le MCC? Avec le MC Command Center? Bon, les prénoms, on fera les mêmes. Hein. Dans le congélateur, les enfants, sauf mon enfant Sims. Il fait le ménage. Oh, Quentin, t'es pire que toi. Il n'y a pas de congélateur dans les Sims, c'est triste. Moi, je me dis, ça pourrait être bien d'avoir un congélateur avec une nouvelle mort, du coup. La mort congelée. Congelée dans le congélateur. On va attendre avant qu'elle accouche. On est d'accord.
On n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé du tout. Vas-y, évacue le stress. Illumine sa journée. Et tu vas imiter des sirènes. Et donner des fausses bonnes mauvaises nouvelles, je sais plus. On a un mini frigo, ça passe, j'avoue. Mais on peut rien faire dedans. C'est pas drôle. Regardez-moi ce bide. Il dirait qu'il manque un morceau en dessous. C'est bon? Panique préparentale. Ah bah parce pourquoi tu vas accoucher? Bah parce que vous avez fait un gosse. Vous avez niqué hein pour ça. Non, je suis pas pressée moi. Tranquille. Ah. Ça, tu vas finir de dormir cocotte hein. C'est fini là. C'est fini hein la tranquillité ma petite. Profitez, c'est vos dernières secondes. Elle est partie se coucher. Oh, Naïeflouf! Attends, tu peux lui toucher le bide? Pour ma vignette. Oh, ce bide. Voilà, parfait. C'est comme ça qu'on fait des miniatures, les enfants. Bon, allez! Go, 11h du matin. Mais cop cop! Merde! Oh, j'en ai marre de ces éléments qui se baladent là, ça me. Oh mon dieu! Encore! Oh mon dieu, c'est un garçon! Incroyable! C'est incroyable! Je ne m'y attendais point. Et ce sera Chamallow. Oh mon dieu! Il y en a deux! Oh! I'm shocked même, je dirais. Et c'est Rainbow également, parce qu'elle n'a pas le nom de famille de la jeune. Et la fille, c'est Sakura. Voilà. Didio, quelle surprise! Je ne m'y attendais point et on va donc enregistrer. On peut pas encore. Et lui est content. Ah, c'est bon. J'ai réussi à. Oula! Ouf, le petit tourné boulé qui va bien. C'est lequel? C'est le chieur déjà qui fait. Attendez, c'est le. Ça, c'est la fille. Eh ben, tiens, c'est à elle que tu vas mettre la grenouillère. Mercredi, on l'a mis au garçon. Cette fois-ci, ce sera la fille. C'est comme ça. C'est l'enfant préféré. Tu vas bercer? Pas l'air très contente. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un virus, ça, je sais pas quoi. Si est-il parti pour? Ouais, 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 ouais. C'est exactement ça. Eh, tu vas pirater la macorne serve. Voilà. Quelle magnifique chambre. Au moins, ils pourront gueuler, les parents, ils pourront dormir. Et ça, c'est bonnard, hein. Ça, je vais vous le dire, c'est bonnard. Après, elle ira manger. Et elle ira se pioter pendant que papa travaille. Papa, il pirate. Regardez, c'est Matrix. Papa, il fait Matrix. Regardez. C'est un pirate. Ah. Bon, bah, elle est pas prête de dormir. Par contre, les gosses... Oui, sauvegarde, ça y est. C'est bon, c'est gagné. Oh, on a au moins les morveux qui sont là. Au moins, ils dormiront quand même. C'est ça. C'est bien rose. J'oubliais que c'était la gelée rose. C'est ça. Oh, bon, après, je serais peut-être pas tout rose non plus. Hein. Est-ce qu'il va réussir? Ils sont encore en train de niquer à côté. Sakura très fin, mais Sakura elle a pas dit qu'elle avait la dalle, regardez. Sakura ne dit rien, Sakura dort. Hein. Donc Sakura commence à me casser les noix.
En même temps, c'est normal, hein. Moi, à chaque fois, dès qu'ils naissent, faut que je leur donne à bouffer, sinon ça va pas. Si t'es pas content, tu fais ton pain toi-même, Jacqueline. Et salut, Savour le Rouge, comment tu vas? C'est bon, j'ai sauvegardé. Le modem 56K. Donne-leur un gosse, ils vont arrêter. À qui? Aux voisins? Mais ils en ont déjà, je crois. Bon, arrête de bouffer ton pain, toi, merde! Tiens, on va se renlever le gosse, quoi, avec ces conneries. Dépêche-toi! Et après, c'est la couche de l'autre. De toute façon, elle peut pas aller dormir tant que les voisins, ils... En pleine journée, hein. Vous savez quoi, il me fatigue, moi. Entraîne-toi à programmer. Copper, je t'ai pas demandé hein, de t'occuper de ton gosse. Hein. Ah, allez, c'est bon, on peut dormir. Go. Parce qu'entre les gosses et les voisins, je peux vous assurer que c'est compliqué pour eux d'avoir une vie... Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, putain, c'est la musique. Si vous êtes assez con pour l'allumer, vous êtes assez con pour l'éteindre aussi, non? Ça arrive souvent, ça. Attends. Programmer. Pirater. Fonds d'investissement Lotario. Mais arrête! Tu réveilles ta... Je me bouge, je suis là. T'es plus tout seul, tu sais, maintenant. Ça y est, ça commence. De toute façon, elle est élevée, bien. Mais il a remis la musique, cet idiot, là. Et je vais pas faire des pièces à chaque fois, hein, pour... Zut, hein. Tu éteins. Tu laisses ta femme se reposer. Après, maintenant, elle ne sert plus à rien, tu me diras, on s'en fout. Mais bon. Pour que tu travailles sur tes trucs, faut que elle dorme, tu vois. Comment ça va, Emmanuela? Voilà, ça va très bien. Mais arrête! Mais dégage toi aussi! Mais qu'est-ce que... Eh, mais sérieux? C'est quoi ces thugs? J'en peux. Ça va pas bien. Et je te jure, toi, je te surveille. Si tu remets la musique, je te tuerai moi-même, de mes propres mains. Faut que je surveille parce qu'il le fait sournoisement comme ça, là, de lui-même. Petit enfoiré. C'est bon? Allez, 121 Simflouz, c'est très bien. Allez, va pisser. D'ailleurs, je vais mettre éclairage automatique, tous les éclairages, hein, parce que les gosses, ça va coûter cher au bout d'un moment. Et après, t'iras dormir. Normalement, on a ce qu'il faut. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi ça? On s'en fout, tu dors. Mais... Tu dors. Oh, Tom, tu casses les couilles, hein, aussi. Au bout d'un moment. Lui, Tabasco, je les pensais pas aussi luxueux. Ah bon? Extrême violence, l'égoïsme. Bah ouais, attends, le mec, il a oublié qu'il vivait plus tout seul, tu sais. Ah bah, gueuler. Alors ça, tu peux gueuler, moi. Allez, ah bah tiens. Allez, petite stéréo, ça faisait longtemps. Mettez bien le son à fond, hein. C'est vrai, Guillaume, tu galères avec l'aspiration rouge? Oh non, ça va, c'est facile. Bon, lequel est mieux réveillé? À toi, hop. Femelle, change les couches. Voilà. Magnifique. Combo.
C'est une chorégraphie hein, au millimètre. Il a pas l'air d'aimer ça, ce pauvre gosse. Ah non, parce que c'était pas assez. Allez, tu lui fous un coup de nichon. Elle aussi, allez, deux coups de nichon, un nichon chacun. Avec embrasser 8 Sims, bah ça va. Hein. Franchement, Bordeaux... T'inquiète que l'aspiration était bien finie, qu'il a continué à emballer. Hein. C'était fastoche. C'était trop bien, la Génération Rouge, en vrai. Moi, c'est plus de 3 jours que je n'ai plus... Ceci, bébé qui pleure. Bah, t'as de la chance. Pourquoi Wisebot, il a un dinosaure? Qu'est-ce que c'est tout? Glitchcon, d'accord. Ouais, très bien. Il a un petit dinosaure, le gars, sur son badge. Ah, ça fait du bien quand ça se tait, ces machins. Ah, il va falloir jeter la nourriture... qui pue? Y'a pas? Bah, tu te démerdes, tu vas bouffer ce que tu veux. Je mon Carl Oignon! Je suis en Just Chatting. Ce qui est bien, c'est que moi, il me dit que je suis en Sims 4. Moi, en OBS. Donc, en fait, je sais pas. Sachant que j'avais changé avant le live. Mais arrête de faire à bouffer! Ah putain, et elle me fatigue aussi celle-là, je te le dis. Et lui taf. Il est en week-end. Oh yes. Ah mais il va bosser sur ses compétences. Je te le dis. Alors, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, c'est une première. C'est les gosses, ils ont trop fait dans leur couche, du coup, ça... T'as les souris, en plus? Non, elles sont là-bas. Ouais. Allez, hop. Tu vas bouffer les macaronis que ta femme t'a préparé. Ensuite, tu vas regarder la télé. Tu feras ménage. Sa femme va rentrer, il aura. En fait, il sera juste occupé de faire le ménage. Non, j'ai commencé à deuxième, j'ai perdu ma sauvegarde, mon fichier EA Games, ses documents. Ah ouais, d'accord, ouais, j'avoue, Lino, c'est pas cool. Tiens, bah non, parce que j'ai remis à jour les infos et regarde, sa Wisebot me l'a remis que maintenant. C'est. Pff, je crois qu'OBS commence à déconner. Ouais, fais le ménage. Il va falloir que tu t'occupes des culs de tes gosses. On va voir si ton fils est la même louloute que toi. Ou pas. Oui, c'est bon, mon petit. En tout cas, elle est sûrement toute rose et toute molle. Qu'est-ce qu'il s'appelle, Chamallow? Chamallow, Rainbow. Tatatitato. Tu peux lui parler, tu peux lui parler. Comme ça, voilà, c'est fait. Alors, il faut qu'il fasse du charisme et de... Alors, tu vas faire de la pâtisserie, mon gars. Pâtisserie, je m'en fous après de... Voilà, tu vas me refaire pas mal de pâtisserie. C'est chiant, mais il faut. Pour sa compétence. Pisseuse! Bouffe ta main! Il commence, mais il finit aucun plat, c'est cool. Elle revient quand? Mais il fait quoi? Ah. Oh mon dieu, des rats! À faire à bouffer. Bon, tu feras pas le dernier. Quel enfer. Une nounou! Engage une nounou, c'est bon. Ras le cul. Dites, y'a pas quelqu'un pour s'occuper de mes chiards là? J'ai du mal à le faire tout seul. Moi, j'ai des trucs à faire, hein, zut. Hein. 7h32. Oh, c'est un nounou garçon!
Bah ouais, c'est bon. Je m'appelle Cho et je suis ta nounou enchantée. Je m'occupe de tout. Je peux jouer avec toi, cuisiner et t'apprendre des choses. Et bien sûr, cela ne me dérange pas de changer des couches et de faire du rangement ou du ménage si nécessaire. Ah bah c'est bien, tu vois, t'éclates chez nous. Les gosses sont là, hein? Eh? Ah ça y est, il a capté. Hop. Oh la vache. C'est déjà bien qu'on les a pas fait enlever, hein? Quoi? Oh! C'est bon? Elle va pisser un coup. Et tu t'y remets. Tu vas refaire des biscuits au sucre. Tu vas refaire des graissins. Tu vas refaire des bagels aux oignons. Ouais, mais éclate-toi, mon petit. Hein. Ah, t'as du taf avec les machins. Puis le ménage, on n'est pas contre. Hein. On va sauvegarder. Sauvegardons avant que ça parte en cacahuète. Nanana. Piston. Ouais, alors il faut que j'y pense absolument demain, parce que demain je vais enregistrer. Piston pour Céline. Alors, pour le mot que j'avais eu avant, je vais garder Iowa. Hein. Je vais essayer, c'est le mot de mail. Vu que j'avais oublié pour cette semaine. Hop, ça va, piston, c'est facile. Enfin, je sais pas, mais tu seras dans le Lord and Lady que j'enregistre demain. Je dis ça, mais je risque de l'oublier. Bah, tu crois qu'elles sont buggées, mais non, regarde. Ah bah non, il dort, donc c'est bon. Taf. Non, tu parles pas, on s'en fout. C'est un employé, tu vas pas lui faire ce plaisir. Par contre, t'es... Ah, on va être au niveau 5. Tu vas pas... Hein? Tu me feras plaisir d'arrêter de tout foutre là-bas. T'as des tables et t'as des trucs. Ouais, niveau 5, pâtisserie! Arrête de lui parler! T'as les chiens qui hurlent. Bon, lui, c'est quoi ce type-là? Il s'occupe pas des gamins? C'est bientôt leur anniversaire! Ça avait planté juste après. Je remets sur enregistré. Mais pas de choix, gorge! Mais punaise, mais elle sert à rien dans sa vie. Regarde, il y a 10 000 trucs à bouffer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire à bouffer. Oh, il y a les rats et tout. Vas-y, et. Ça a quelque chose. Hein. C'est bon, elle. Vas-y, reprends tes biscuits. Bonjour, ça sent bon chez vous? Foucan, ouais. Tu te crois où, hein? Va voir tes parents qui baisent. Ça ne nous regarde pas. Il se demande où il est arrivé, tu sais, avec les jumeaux qui font que gueuler, qui sont dans une micro-chambre. Il y a des rats, des fuites d'eau, un bonhomme qui fait que de la pâtisserie, et des rats, et des cafards, et les voisins qui baisent. Incroyable. C'est mon premier mot, donc je vais réfléchir, j'ai encore beaucoup de points. Oui, je sais que t'as beaucoup de points, mais pas de soucis. Mais en vrai, piston, bon, c'est pas si facile à caser. Hein, bon. Je verrai. Je verrai bien. C'est quoi, tu vas me réparer ça après? Ça va devenir fat, Emmanuela. Regardez le pauvre, il est dans un état. Non mais Autumn, tu me casses les noix. Allez, va te doucher. C'est infernal. Ah, je m'en fous, les gosses qui pleurent maintenant c'est plus mon ressort. Hein. Pas le temps. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, j'aurais dû faire ça dès le départ. Jacqueline, si tu veux, tu peux épicer. Oh putain, il y a encore les rats là. Mais c'est bon, ils vont arrêter de casser les burnes ou comment? Ah, bichette. Allez, va dormir. Encore les rats. Va leur mettre encore un coup de tapette là.
Dors, mon petit, dors. Hein? Notre temps ensemble aujourd'hui est terminé, à la prochaine fois. Mais non, mais tu restes à la baraque, toi, tu crois quoi? On doit le rappeler ou pas? Mais eh, c'est bon, Autumn, le harcèlement, là. Tu connais ou pas? En vrai, je vais mettre des trucs au frigo, quand même. Putain, ils sont en train de gueuler, les deux, là. L'enfer! Un tellement mal endroit pour élever un enfant. Bah oui, je comprends pas. Regardez, c'est tout rose, c'est parfaitement adapté. Des couleurs vives pour stimuler leur cerveau. Hé, hey, mais tu lui as pas donné de nichon, lui, c'est ce qu'il veut, hein. C'est un garçon, hein. Il veut du nichon, hein. Autant de harcèlement, c'est ça. Eh, hey, bonne soirée, Guillaume, bon courage à toi. Voyez, le nichon, ça les calme. Putain, mais elle, elle aussi, elle se venge. Elle se dit, attends, moi j'ai pas... Tu m'as réveillée pendant que je dormais. Non, mais si, c'est ça. Ah bah écoute, tu regardes le film actuel et tu vas bouffer. C'est quoi? Décorer? Décorer? On peut décorer? Ah bah tu vas décorer? Ça coûte de la thune, bon, ça on a 11 000. Vas-y, décore les machins. Ils sont devant toi, tu peux y aller. Hein. Ah non, d'accord, il peut que regarder la télé. Tu vas me bouffer ça. Pas me bouffer la saucisse, mais... Rien de mieux que les nichons. En tout cas, sa fille, elle arrive d'avoir des nichons très très haut placés. Hein. La petite Sakura, hommage OMG. Hein. Il repleure. J'ai parlé d'elle, donc c'était le truc à pas faire. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est fou. Fous lui le bibi, là. Oh, c'est pas ce qu'elle voulait. Oh, la gueule est cassée. Et t'as pas que décoré, ça? Décoré, je t'ai demandé. Est-ce qu'elle peut le faire, elle? Non, elle peut pas le faire. Donc ça doit être venir avec la compétence pâtisserie. Que je n'ai jamais faite, hein, en vrai. Les nichons, ça les calme. J'imagine Emmanuela leur mettre la tête dans les nichons. Ils vont risquer d'étouffer, attends. Ah bah tu peux pas? Ah la vache. Ah, oh, j'en ai marre des gosses. Pourquoi il faut faire des gosses dans les Sims tout le temps? Vous êtes fatigués tous les deux ou pas? Ouais, vous manquez de divertissement. Allez, bah, y a rien de mieux. Hein. C'est pas grave. 2h du matin. Voilà. On rappellera une nounou qui fera le ménage. Ça ira très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant ça pue. Alors il faut qu'on se lève pour le remarquer. Ben non, mais c'est bon. Faut fermer la bouche. Hein. La musique, elle a même pas fini. Ils reviennent, hein, j'espère, les... Putain, ils regueulent. Ah non. Je les ai vus bouger. Bah si, il y en a une. Oh, la vache. Ouais, toi, de toute façon, il n'y a que toi qui... Allez. Qu'est-ce qu'elle veut, la gosse? C'est bon? Ouais, viens bouffer. Je veux dire, ils vont finir obèses avec toutes les pâtisseries, là. Ah, il y a un truc qui est pourri. Ah mince, c'est je le fais par réflexe de fermer, mais... Hein? C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, tu fais ta vie, je m'en fous. Tant que Copper va bien. Allez, les gosses qui hurlent. Les deux en même temps, mais oui! Ah,
Les deux, c'est le cul, hein. Les deux, c'est le cul, hein. Allez, Germaine, lève-toi. Et lui veut du nichon encore? Bah là, elle l'a eu tout à l'heure, le nichon, donc... Mais t'es un masque à gaz, c'est ça. C'est bon? Allez, à la douche. L'enfer, regardez-moi l'appart dans quel état il est. Et j'ai quasiment pas avancé sur ce que je devais faire. Il travaille quand? Il travaille dans 16 heures, excellent, ok. Oh, quel enfer. En vrai, tu vas faire un peu de malice là. Tu vas aller troller les forums. Et après, tu vas pirater. Tu vas t'entraîner à programmer. Voilà. Ça, moi, toi, t'es occupé. Tu taffes. Il commence à 1h du mat. Faut pas que j'oublie qu'il fasse le charisme aussi. Hein. Oh purée, mais elle est. Casse les noix! Oh, Auton, qu'est-ce que tu viens faire là? Alors, salut, t'es relou un peu, non? De venir. Ça y est, ça va être l'anniversaire. Oh, je sauvegarde avant que ce soit trop tard. Je pense qu'effectivement, on va finir la journée et on sera bien. Au moins, si ça plante, on aura au moins bien avancé. Voilà, tu vas améliorer le truc, faire connaissance. Se plaindre de l'inconstance infortune, c'est ça. Oh putain, les gosses. Mais tu veux quoi, toi? Mais t'es chiant aussi, bon sang de bonsoir. Et tu feras le ménage, tiens, parce que l'homme de ménage, l'homme nounou ne vient plus, ne vient pas. Vous êtes encore là sur le chat? Vous parlez plus? Ouais, j'avoue, c'est plus très intéressant. Oh, merci beaucoup Nini Gacha pour ton follow, bienvenue à toi. C'est plus très intéressant parce que je fais que je vais vite et il faut que ça aille vite. Ça pue. Oh, regardez, il y a tous les plats qui ont pourri. Allez, t'as du taf, hein, cocotte, hein. Hey, la bower! C'est la merveilleuse musique des Sims. Salut, Nini Gacha. Toujours là, les pleurs bercent, c'est ça? Je pose mon cul et je vois que c'est la débandade chez toi. C'est ça? Oh, on va y arriver, hein. Tu sais, on est déjà passé par là. Mais elle va faire le ménage ou quoi, elle? Non, mais oh! Oh, pas bien. On est samedi. Vote pour les plans d'action du quartier. Merci beaucoup, Samy. 54, le retour. Le retour du Samy 54. J'espère que tu vas bien. Et merci pour ton follow. Sauf que je mange en même temps. Ah oui, 19h. Juste une petite question. Comme ça, c'est pour un projet scolaire. Tu gagnes combien par mois grâce à Twitch? Un projet scolaire. Sachant que je suis une toute petite streameuse, mais j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir un paiement mensuel jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de janvier, hein, grâce à vous. Et ça dépend des mois. Je peux pas te donner un chiffre. Parce que c'est pas du tout régulier en fait. Ça dépend s'il y a du train de la hype, s'il y a pas du train de la hype. Ça dépend s'il y a des abonnements cadeaux, ça dépend s'il y a beaucoup de bits qui sont donnés, je sais pas. En tout cas, je suis très très loin de gagner un salaire, mais les derniers paiements que j'ai eus, c'était 100 euros. Voilà. Comme ça, vous le saurez aussi. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se plaindre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils me font? Dégustation, appareil à Union des Gourmands, promouvoir les arts créatifs, alors sûrement pas les économies, ça va me gaver. Alors, aime s'amuser, esprit sain dans un corps sain. Pourquoi je peux pas l'ajouter? Ah, parce qu'il faut que je vote. J'ai consulté et j'ai pas fait voter. Si, c'est ça. Ça leur fait prendre... Elle est dans le couloir quand même, ça leur fait changer la vie.
Ah bah quand même, ça marchait pas. Alors, jardinage, autosuffisance, promouvoir la bagarre, retour à l'ancienne, portons des sacs, support technique, amour pour tous, partage total. Rien de tout ça, merci. On va voter donc dégustation, voilà. Ce sera moins pire. Ah, la musique, j'adore. Ça va, Auton? Tranquille, la vie? Les gosses dorment, on en profite. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bien contre mal, trait de caractère malveillant. Bah, calme-toi! Condamner l'amitié? Non, tu vas lui faire un peu de malice, tu vas la mener en bateau, voilà. Parce qu'en plus, c'est les journées de pirates. Et mentir sur l'emplacement de la croix. Et décrire l'apocalypse. Nous avons récolté différents témoignages de streamers français. La moyenne tournait autour de 10 000 euros par mois. C'est pas du tout. Non, alors je sais pas qui t'a demandé, mais si c'était les plus gros streamers, déjà ils auront jamais vu ton pseudo et ta question. Et ils te répondraient pas aussi franchement. Mais c'est pas 10 000 balles. C'est possible, hein, c'est possible pour Zerator, tu vois, j'en sais rien. Moi je sais pas combien de subs il gagne, il a par mois et avec tous ses projets et tout, mais non. Ah ouais, 100 euros de plus. Je compatis, ouais, Quentin. Une moyenne basse de 5000. Pas du tout. Une moyenne basse de 5000. Ouais, non, mais tu vois, moi je suis à 8000 rien que sur Twitch, quoi. Ouais. Ah, je te dis pas, j'ai YouTube à côté et YouTube c'est 40 000 par mois. Ouais, non, mais je cartonne moi sur YouTube, moi, tu vois. Incroyable. Je suis pété de thunes, tu crois quoi? Regarde, j'ai le play de Game of Thrones. Eh! Là, je live dans la cave de mon château. C'est pas pour emmerder les domestiques, tu vois, parce que sinon, si je les embête, c'est pas bien. Ah bah c'est... Je croyais que c'est plus la sœur. Elle va dire mes conneries. Oh, j'en ai marre de ces gosses! Tu veux quoi? Tu me saoules! Ah, il voulait faire un câlin à sa femme, monsieur Moignon. D'écrire et demander c'est pour quand, il est content. Le festival de la neige a commencé! Vite, 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 faut y aller, faut y aller! Attends, 5 dollars, ah, c'est bien! C'est bien! 5000, tu veux dire? De ne pas vous donner ton salaire, l'argent. Mais non, mais je t'ai dit la vérité. C'est les autres qui t'ont dit de la merde. Donc voilà. Si tu crois qui tu veux, hein, mais bon. Qui a de la place dans son congélateur pour un enfant de 11 ans. Oula! Non, moi j'en ai plus. Attends, tu vas lui faire une blague à ta sœur quand même. Tu vas faire des grimaces à ta sœur, ça va vous détendre le trou du cul. Et inspirer une confiance injustifiée. De la malice. Roulez dans la farine. Oh oui, la farine, les enfants. C'est 500 000. Oh, attends, combien t'as... 5 millions. Ah oui, quand même. Salut Pearl, comment tu vas? Qu'est-ce qu'elle va lire, elle? Ah, elle range. Il se fout de la gueule de sa sœur, j'adore. Elle va se barrer, non mais franchement, c'est pour qu'à chaque fois que je viens chez toi, tu me racontes de la merde, moi je préfère partir. Par contre, il est vénère quand même, hein. Là, tu vas faire des grimaces aussi à ta femme. Par l'instant, là, il bosse pas, hein, par contre. Il bosse sa malice, mais... Niveau 8 ! Programmation bientôt niveau 4. Allez, bosse, au lieu de... Allez! Niveau 4 de la programmation. On peut désormais créer des virus. Il peut aussi pirater les notes du lycée. C'est bien ça pour ses enfants. Allez, continue de bosser. C'est bon? Tu gères tes chiards ou je dois t'aider? Non. Mais en plus, ils ont... La meuf, elle se casse. Sourire relève alors que les deux machins sont en train de chialer. Leur cul baignant dans leur caca. C'est merveilleux. Ah, parce qu'il fallait qu'elle se plaigne de l'odeur. Ils sont vite insupportables, c'est morveux quand même. Hein.
Perso, je pense arrêter de bosser tellement Twitch rapporte mort de rire. Oui, je suis toujours là. T'as vu, hein, c'est fou, hein, Marie. C'est dingue, hein. La fourchette basse. N'importe quoi. Alors, YouTube, je vous explique rapidement. On avait avancé et le jeu a planté. Donc, on reprend à la dernière save. Bah, c'est-à-dire samedi 17h. Le 2, samedi 2h du matin, quoi, à peu près. Donc, on reprend. Bah, il va bosser, hein. Je laisse bosser. Tant pis, on va recommencer. Avec les gamins qui hurlent et tout. J'adore. On va tout recommencer ce qu'on a fait. Allez, c'est pas grave, j'ai perdu moins de choses. Oh, j'en peux plus des tapis qui bougent, là. Ça m'angoisse. Allez, tu vas te soulager par dessus. Bon, mais c'est bon, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, mais c'est Tabasco, encore. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, il va pisser. Allez, bébé qui pleure. Vas-y, va la nourrir. T'es dispo. Oh putain, il pue. Oh l'enfer. On dirait qu'il vient de dire j'en ai marre. C'est pas le cas, hein. Alors, attends, c'est lui, parce que maintenant qu'ils ont inversé la... Et après, ben, il ira bouffer. Il va nous faire des pâtisseries. Des brownies. Allez. Je sais plus, du coup, si on avait avancé sur la pâtisserie ou pas. Malice 8, pâtisserie 5. Bon, ça va. J'ai pas perdu tout. Mais c'est bon, là Vous calmez. Toi, rends-toi utile, non? Qu'est-ce que tu veux? Va nettoyer un peu, briquer le pont. Depuis la mise à jour, j'ai de son sur les Sims au bout de 10 minutes de jeu. Ah ouais. Ah ça me stresserait d'ailleurs. Tiens, paf, je sauvegarde déjà maintenant, j'ai gagné quelques minutes. Mais c'est le jeu que je cherche. Non mais je sais, j'ai compris le Sims, t'inquiète. Et salut Valentine, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Par contre là, elle arrive à dormir alors que c'est allumé. Faudrait qu'on m'explique. Ils arrivent pas à dormir quand c'est dans le lit, mais sur le canapé, nos problèmes, quoi. Bon, ça, c'était ce qu'on avait aussi tout à l'heure. Oh, bah, voilà, c'est pas mieux, ça. Ah, tu me casses les noix, hein. Ça, on l'avait pas eu. J'en ai marre. Vous me saoulez, purée. Les Sims. J'en ai marre. J'en ai marre. Arrêtez de foutre le feu dans toutes les parties. Oh! GG Copper. Allez, le niche-niche. En même temps, c'est vrai qu'ils nous avaient pas encore foutu le feu. Hein. Ah, mais il va aller sortir ces trucs! Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu. Y'a plus rien dedans! Ah la vache, mais c'est pour vrai. Mais c'est pour vrai, hein! Eh, hey, tu recommences! Et les voisins, ils refont du bordel, hein. J'enregistre tout de suite. Pompier, non, 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 il a géré, ça va. Oui, oui, c'est un. Quand tu développes. Ils grandissent quand les casse-pieds, les jumeaux? Je sais pas, bientôt, peut-être. Va faire caca en étant en colère, tiens. Vous savez, la manière dont elle a marché avec le bruit et la porte, je me suis cru sur Phasmo. C'est très bizarre. Pompier, arrête de toucher cette cuisine. Oh non, mais t'inquiète. Au pire, tu sais, après, ouais, non, c'est vrai que ce serait un petit game over. Hein. S'il mourait, ce serait dommage. Non, alors commence pas avec un. Voilà, c'est bien. L'appartement. Ah oui, d'accord, il peut pas le mettre là, c'est bon ça. Vas-y, tu peux bouffer là, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'il aille à l'autre côté de l'appart, il m'énerve. Assis-toi, Jacqueline. Ah bah. Lui, ça devrait aller au taf. Alors, du coup, tu peux te. Vas-y, pique un roupillon. Ah bah non, c'est trop tard. Oh! Dites-moi. Ah non, c'est Manuela! Oh, on s'en fout! Moi, je voulais avec. Avec Copper, c'est pas drôle sinon. Copper, ça y est. On est avec Copper. Salut Lydie, comment tu vas?
Alors, une alerte de l'antivirus de Copper apparaît pendant qu'il rédige une arnaque par email magistral. Je suis votre frère jumeau. Ah bon? Un prince, vous avez gagné le méga gros lot à la loterie. Doit-il chercher ce qui a déclenché l'alerte ou ignorer le message et continuer son spam? Est-ce qu'il enquête ou est-ce qu'il l'ignore? C'est à vous dans le chat de me le dire, évidemment. Comme d'habitude. Oh la vache. Alors, ignorer, enquêter, enquêter, ignorer, enquête, ignore, 3 contre 3. Enquête, enquête, ignore. Enquête 6, ignore 5. Ignore 6. 6 contre 6, enquête 7, enquête 8. J'essaye, hein. Si je me trompe, vous me le dites, hein, parce que j'essaye de compter, mais c'est au fur et à mesure. Hein. Ignore 7, enquête 9. Je pars manger. Non, ça c'est pas... J'ai fait, Sun sera déprimé car il a oublié son spam. Ah! Donc on va ignorer. Mais après ça dépend, hein, en vrai, ça dépend. Hein. Tu veux quoi comme sondage, Alexa? Allez, je vais faire quand même l'enquête et on verra ce que ça donne. Parce que ça dépend en fait. Cela a empiété sur le temps consacré au spam génial de Copper, mais il s'avère qu'il y avait bien un virus. Copper a empêché la destruction totale d'un ordinateur et peut-être de son équilibre mental. Bah tu vois, c'est positif sur le coup. Ça dépend en fait. C'est même si tu as t'as le même truc qui peut arriver, c'est comme avec les enfants et tout, ça dépend, ça fait la... c'est pas forcément le même résultat. Tu veux quoi alors, Alexia? Alexa, pas Alexia, pardon, excuse-moi. Ça reste tout de même une enquête sérieuse, tu imagines bien que les données recueillies ont bel et bien été vérifiées. Moi, je pense pas. C'est un projet scolaire. Je sais pas de quelle école tu es, mais... Ce genre, les mecs, ils vont te prouver qu'un truc. Donc toi, tu vas me demander un reçu de ma banque. Et que je vais te dire, bien sûr, je vais te le donner. Ah bah tiens! Ah bah tiens! Ça chiale! Bon, comme par hasard. Le hasard comme par hasard! Allez, c'est l'autre maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Elle est dans un état... Mais il laisse tomber. Allez, viens manger un bout, là. Ah bah non. Voilà. Ça me rappelle avec Kyle, qu'il avait fait des choses à sa femme. Ah, tu prépares une thèse. D'accord. Save. Oui, on dirait. C'était pour enquête ou ignore, mais c'est pas grave, on fera pour autre chose. Ah oui, tu peux poser la question que tu veux, c'est fait pour. Hein. Si t'as envie de poser une question aux gens du chat et tout, tu peux. Hein. Ouais, enfin, mais tout le temps, il faut qu'ils gueulent ces gamins. Tout le temps, il faut qu'ils gueulent ces gosses. Bon, normalement, c'est promotion. Hein. On terminera là-dessus. Oui! Le promotion! Ah! Promu au poste de pirate d'élite. Et donc gagnera 30 simflous de plus par heure, soit 73 simflous de l'heure au total. Également reçu en bonus 1723 simflous. Une affiche et pirater l'unité centrale. Incroyable. Incroyable, Cop Cop. Tu es beau, tu es fort. Tu vas y dormir et je sauvegarde. Moi je dis en rageant que Braval Cop sauvegarde. Ça, non, ce frais vous pourrez le spammer beaucoup trop et voilà. J'avoue, si tu continues à pleurer, je vais venir, je t'embrocher sur un piquet en bois pour te faire cuire au-dessus d'un feu. Oh oui. Ça c'est Sakura, hein, ce qui pleure, c'est pas. Va la nourrir. C'est après, on va nous l'enlever. Oh! Mais tu obéis?
pourquoi ça me fait un plan sur elle là? Qu'est-ce que c'était ces trucs chelous là? Mais on s'en fout le festival des enfants! On n'est pas pédophile nous! Oh la vache! Mais merde! Mais c'est quoi ces machins? Non mais tu. J'en peux plus. Il se fout de ma gueule. Ah! L'autre elle s'est tue enfin! Oh la vache! Ça y est, ça grandit! Oh la vache! Oh, pou, 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 pou. On se remira là-dessus! L'enfer! Oh l'enfer! Merci Marie. Oh, une jambe en mousse ou un bras long de 5 mètres. D'accord, je le ferai après. Ah la vache, Sakura a vieilli. En vrai, est-ce qu'il y a un rose là-dedans? Non, j'ai pas envie de mettre pénible. Je vais mettre pénible parce que vous allez me dire si pénible. Oh les machins. On a un fœtus ici. Va te coucher, ouais, parce que là, on gérera ça la semaine prochaine. Hein. Oh, ils ont les yeux de papa! Oh la vache, la stéréo. Bon, eh ben je vais mettre pénible aussi, hein, parce que... Ah non! Non, il n'y a que Sakura qui a les yeux de papa. C'est Sakura, là, les yeux de papa. C'est merveilleux, c'est une fille. Et on a, comment ça, Chamallow qui a les yeux de maman. Oh, qu'ils sont mignons, les petits choupis! Merde, vous voyez pas. Oh, regardez comme ils sont mignons, tout pling! Impeccable. Allez. On peut enregistrer, et puis... Allez, je fais pause, j'enregistre. C'est bon, le note Soberry est sauvé pour aujourd'hui. Ils sont pichouchous. Exactement. Et moi, je vous remercie, YouTube, pour avoir regardé cette rediff qui fait haute en couleur. Puisque c'était un deuxième tournage de cet épisode, mais qui a eu un plantage, voilà, tout va bien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir en live si vous le pouvez, hein, ça se passe le mercredi pour le Note Soberry. Et puis voilà, des gros bisous, à bientôt, ciao.